On organise une programmation artistique composée de spectacles vraiment très variés. Marionnettes, théâtre, musique, cirque. Et en parallèle, nous organisons des stages et des ateliers de sensibilisation. La compagnie Breloc et Bricole, c'est une compagnie avec qui on travaille depuis des années. Et on s'engage à chaque nouvelle création à soutenir les spectacles en les programmant. On s'adresse à du tout jeune public. Le tout jeune public, il est actif, il réagit et c'est normal. Faudrait plus accompagner les grands enfants, les adultes, qui justement sont inquiets quand leurs enfants réagissent, alors qu'en fait c'est tout à fait naturel de réagir devant un spectacle. Tom, file dans ta chambre. Bah maman, mais j'y suis déjà. Moi, ce que je voudrais, c'est partir en voyage. On a voulu raconter cette part de créativité, de rêve, d'imaginaire qu'ont les enfants. J'avais envie de parler de ce rêve et en particulier de ce moment où les enfants doivent aller au lit, de ce petit rituel qu'il doit y avoir pour les calmer. Bon, on le voit dans le spectacle puisque Tom veut absolument jouer et continuer à rester éveillé. Et pourtant, il faut qu'il aille au lit. Moi, j'aimerais bien me faire caresser par une grosse. Ça a l'air tellement bien. Ce sont ses propres jouets qui vont l'amener à se détendre, à ce rêve. Et puis on a voulu le traiter, enfin moi je voulais le traiter en ombre chinoise pour que ce rêve soit accessible à tous et que chacun puisse y mettre ce qu'il avait envie dedans. Deux univers qui puissent se fondre l'un dans l'autre et jusqu'à trouver le sommeil et que chacun puisse partir dans le voyage, quoi. Moi, pour moi, c'est pas un spectacle. Moi, c'est un morceau de ce que je vis tous les jours avec toi, maman. Quand il faut aller se coucher, j'ai pas envie. Voilà. Alors après, ben c'est vrai que je range pas ma chambre et maman, elle me dit rien, heureusement. Alors je vois mes jouets et je me dis, waouh, toutes ces histoires qu'on peut se raconter. Moi, c'est le sous-marin. Ouais, j'aime beaucoup le dauphin aussi, hein, je vais pas dire, mais le sous-marin, là, là. Quand on revient d'une balade comme ça, on en a plein les yeux.